next time. Regardez, regardez les amis. Pokémon Sun. Yo tout le monde, c'est Master Clown. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Soleil. On va découvrir, voilà, donc ce nouveau Pokémon qui est pas sorti officiellement. Donc je l'ai précommandé, donc je l'ai en avance. Ce Pokémon Soleil, voilà, d'habitude je prends toujours les versions en bleu. Donc Pokémon Sapphire Alpha, Pokémon X, là j'ai changé. Donc écoutez, c'est parti, on va lancer le jeu. Donc déjà, on va mettre ce petite carte SD là, voilà, dans le trou, hein. Whoop là. C'est dans le bon sens. Non, c'est dans le mauvais sens. Je fais chier. Shit. Qu'est-ce qu'il fait avec sa console, lui? Bon. La qualité est un peu pourrie, je suis désolée. J'espère que vous entendez un peu de son. Voilà. Et donc, moi, je vais commenter et quelqu'un d'autre va jouer à ma place. Donc, je ne vais pas dire qui c'est. Donc, on va afficher en 3D. Voilà. Désolée, j'ai mis un code. Je suis vraiment con pour la 3D. Donc, je connais aucun Pokémon. J'ai jamais vu quelque chose de ce jeu qui a l'air grandiose. Donc, c'est parti, écoutez. Alors, déjà, ça va nous demander la langue, je pense. À part s'il y a une petite cinématique au début. Je connais même pas les starters, je connais rien. Donc, c'est parti, écoutez. J'ai rien vu. Là, je regarde. Voilà. Donc, on découvre l'aventure ensemble. Donc, c'est parti. Voilà. Bon, y a rien écrit en dessous, là, voilà. Ah, voilà, c'est bon. Alors, on va jouer en allemand, je pense, hein. On va jouer en allemand, non? Changer la langue, allemand, non? Ok, commence, vas-y, commencez. C'est parti. J'espère que vous entendez un peu de son, j'espère que la qualité audio n'est pas dégueulasse. Ah. Appel entrant, professeur d'Alola. Attends. Appel entrant, voilà, professeur machin d'Alola. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oups, pardon, juste une seconde. Salut, t'es marié toi? Bonjour, bonjour. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola? Voilà, donc bien sûr, hein, des déménagements, voilà. Alola est une région composée de plusieurs îles en archipel, en somme. Voilà, donc comme, voilà, c'est des îles, c'est sûr. C'est peut-être pour ça qu'on attend de Pokémon originaux. De nouveaux Pokémon originaux, parce que c'est une nouvelle génération, hein. Et ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont de drôles de bestioles, ces Pokémon. Haha. On en trouve vraiment partout, bah oui, ça c'est sûr. Du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. Ce qui est évident. Wow, 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 qu'est-ce que tu me fais, toi? À Alola, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Bon, il y a beaucoup de Pokémon, hein, d'une région à l'autre. Hein. Rocabot, du calme. Je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Déjà un nouveau Pokémon, Rocabot, voilà. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs, bien sûr, le personnage, tout ça. C'est laquelle ta photo déjà? Alors, donc, ah, d'accord, on peut choisir maintenant. Donc, fille, garçon, on va prendre garçon. Je sais pas, quelle... Celle-là. On va prendre celle-là, ouais, vas-y. Clique sur A. Et oui, c'est parti, voilà. Beau personnage, que j'ai pris d'ailleurs sur Pokémon X. Peut-être, ouais, presque même ressemblance, donc... Ça va faire penser aux souvenirs. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom, voilà. Clique. Bien. Alors, fais voir. Ah, ça a changé, ça. Voilà. Comme on peut voir, l'écran, là, a changé. On va s'appeler... Clem. Non. Attends. On va s'appeler Clem. Donc, hop. Voilà. Clem, c'est bon? Tout est bon, hein? Ok, c'est Zergoot. Et c'est bon, voilà. Désolé si vous avez eu mes doigts sales. Hein. Clem, c'est bien ça. Ya. Yeah.
Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Pourquoi ? Non mais mec, j'ai pas envie que tu dévoiles toute ma vie, hein. Non mais le gars, il est Clem, oui, oui. Hein ? Le descendant de le successeur de Pierre Fabek, hein, qu'on a vu. Ça c'est... Ah ouais, bah d'accord. Clic, 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 clic. Bon, on se verra à Lola, j'ai hâte. Ah, à Lola, pardon. Ça, c'est dur à dire. Ha ha, gagale, au revoir. Ok, bah voilà. Il regarde ça ton ordi, d'accord. Clem, il va falloir commencer. Alors. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas lire japonais, hein, c'est pour vous dire. Alors. Pourquoi en cours? C'est qui, elle? Je connais rien à ce jeu. Hein. What the fuck? Ah ouais, les escaliers du futur. Et là-dedans, Pokémon, je suppose. Ah, successeur de la... Team Rocket, voilà. What the fuck, c'est quoi ce cambrioleur, là? Un cœur! Un cœur! Vite! Plus vite! Ah! Vite! Schnell, putain! Schnell, vite! Cours! Va te prendre à 3, tu verras. Et là, elle libère ses instincts sauvages. Et fait tout, voilà. Pokémon Soleil présenté par Game Freak. En fait, ça c'était la cinématique, ouais. Bon, enfin, c'était la petite cinémation du début, voilà. 3 mois plus tard. Ouais, j'ai choisi un gars, donc c'est pas elle ou lui, hein, voilà. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh, par contre, je me rends compte, la DS, c'est un peu ça. Pardon, voilà, pardon. Où on est? Wow, le bruit. Ah oui, donc ça doit être ma maison, quoi. Ouais, d'accord, ouais, ça ressemble à la démo, voilà. Et ça, c'est ma maman, normalement, s'il n'y a pas de... Hein, de soucis majeurs. Bah voilà, à notre... Ah, notre première matinée à Alola. Le soleil brise, tellement agréable. Ah bah en tout cas, on n'a pas supprimé les miaous. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Bah oui. Hein. Et ouais, putain, pourquoi le fermer? Miaous, soit un amour de Pokémon et va chercher Clem. Miaous, bien sûr, il sait dire ça, le gars. Hein. Et voilà, un Pokémon qui marche, génial. Et moi, bien sûr, en train de dormir comme un gros flemmard. Hein. Oh, ma chambre, voilà, qui ressemble un peu à Pokémon X, moi, je trouve. Non, non, non. Ah, il y a une Wii U, voilà, placement de produit, désolé. Sinon, voilà, on peut voir que c'est bien fait, un beau lifting. Ah, on peut mettre en 3D. Non, oh non, on peut pas mettre en 3D, c'est étonnant. De toute façon, vous, ça change rien. Miaous! Il se réveille pas, le gros flemmard, comme j'ai dit. Là, je vais zoomer. Clic. Mais what the fuck? Ah, fallait... Ah, fallait... tout... Ah ouais! Ah ouais, par contre, on marche à angle droit. Hein. Ah ouais, ok, fallait juste bouger l'analogue. Ben voilà. Oui, je parle comme dans GTA. Wouah! Attends, donc on les touche. Ok, donc B pour courir. A pour rien faire. Donc X pour le menu. Nouveau lifting. Ah, c'est... Mais vraiment assez sympathique. Sinon, on a quoi d'autre? Ben, c'est bon, allez, ben, ouais, on y va. Hop. Et le miaous. Voilà, ah oui, c'est dire ça, pardon. Et go. Oh, elle est belle, la cuisine. Oh, la lumière.
Voilà. Bonjour, je marche à angle droit. Oui, et alors? Eh bien, mon chéri, tu dormais comme un ronflex maintenant que tu as récupéré. Donc, ronflex, c'est comme flemmard. Voilà, c'est la même chose. Tu dois être d'attaque. Pourquoi? Et je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Ça, oui, carrément. Voilà, c'est clair, oui, carrément. Oh oui, maman a drôlement hâte, elle aussi. Youpi! Depuis quand une maman, ça capture des Pokémon? Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'un naturel joueur aiguilleret. Et je suis sûr qu'on va s'amuser aussi dans cette aventure avec vous, les abonnés. Donc écoutez, c'est génial. Qui sonne? Ah oui, ça doit être le professeur machin là. Donc on va aller ouvrir, voilà. Voilà, on connaît à peu près les touches maintenant. Enfin les touches, non. Enfin oui. Ah, l'autre il rentre sans permission. D'accord. Non, il n'y a pas de logique. Alors là déjà c'est un mauvais point parce que si les gens rentrent comme ça. Tu dois être Clem, je parie. Ravi de te rencontrer en vrai, man. Moi c'est Euphorb, voilà, le professeur Euphorb. Content de vous voir ici à Alola. Ça a été ce voyage? Pas trop fatigué par le décalage horaire? D'accord. Kanto, Alola. Ah, Kanto, ok, il vient de la région de Kanto, le gars. Enfin, le petit bonhomme là. Donc je vais être ce petit bonhomme. Ça fait une trotte. Mais vous avez vu ce soleil, il tape, hein. Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Et salut! Bienvenue à Alola. Chaleur et farniente, tout ça. Professeur Euphorbe, je me souviens encore de vos combats contre. D'accord, ok, bon, lui c'est un champion, hein. C'est en les regardant que je suis devenu fan de Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'emménager ici. Ah oui, à la base, j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats. Les champions m'en ont fait baver. Haha. Désolé. Oh, Clem! Si on allait visiter le village voisin, juste toi et moi. Ouais, d'accord. Le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il t'offrira peut-être même un Pokémon. Le doyen? Le doyen, c'est qui? Ouais, le doyen de l'île, c'est qui? Ouais, Alola, chaque île possède un. Oh, d'accord, ok. Un dresseur. Ok, d'accord. Oh, mince, on y go? Oh, le doyen va lui donner. Oh, comme c'est gentil de sa part. C'est vrai. Clem, prépare-toi vite à sortir. Hop, hop, hop. Va chercher ton sac et ta casquette. Ils sont dans un carton dans ta chambre. Allez, go. Moi, je suis vraiment là. Ah oui, faut aussi consulter son ABCD, machin truc. Hein, voilà le nom bizarre. Hop, ah oui, voilà la nouveauté aussi. Faut appuyer sur une touche. Non, notre ABCD, il est là. Non, oui. D'accord, ok, non, on s'en fout des règles, on les connaît toutes. Il est où le carton? Il est là, voilà. Vous inspectez le carton de déménagement. Vous prenez votre casquette et votre sac. Et hop, noir, total. Et là, on devient un dresseur Pokémon. Même si on n'a pas de Pokémon, mais on va en avoir un. Et juste après qu'on ait eu ce Pokémon, on va se quitter là. Donc je pense que là, ce sera les starters qu'on devra choisir. Voilà. Donc notre bonhomme qui marche à angle droit. C'est beau, hein. Maman, j'ai fait mon sac. Tu as tout ce qu'il faut. Alors vas-y. Oui, c'est ça. Oui, ta gueule. Tu me laisses sortir, voyons. Trop que. Non, mais lui, il en rajoute en plus. Allez, hop. Miaouss. Oui, c'est que dire ça dans la vie, toi. Hein, rigole, ça, c'est ça, oui. Et voilà, encore un dialogue. Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un Pokémon. Dans ce cas, capture l'île. On va aller voir le doyen. Doyen ou doyon? Doyon. Qu'il te file un petit Pokémon bien cool. Allez, go. On y va. C'est parti. On va enfin sortir là. Je suis heureux. Voilà, c'est bon. Tu me laisses tranquille, toi. Allez, go. C'est parti. Alors, comment ça se déroule? Voilà, on marche à angle droit. C'est magnifique. Du coup, eh, par contre, j'ai pas la map là. Hein. Non. Attendez. Ah! Il y a quelque chose écrit nouveau. Ou apply. On va voir ce qu'il y a. Nouveau sac. Bon, on n'a rien de nouveau. Mais pourquoi il nous ment? Ah non, c'est l'option sac, peut-être, oui. Ok. Bonjour, monsieur. Faut aller où? Ok, d'accord, il est là. À nous deux. Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau
La bienvenue à Alola, je suis un garçon, le bienvenu, oui. Le paradis des Pokémon. Ici à Alola, les humains et les Pokémon vivent en harmonie et unissent leurs forces. C'est simple. Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble. C'est la liberté totale. Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite. En route pour l'île, d'accord. T'inquiète, c'est à deux pas d'ici. Allez, suis-moi. Ouais, finalement, la vidéo va durer plus de 15 minutes, c'est pas grave. Ok, plus il y a d'aventures, plus on rit. Voilà, non, toi, tu vas pas me demander un combat, j'ai pas de Pokémon. D'accord. Route 1. Ah, une route sans avoir de Pokémon, ouais, bon. Un peu risqué, mais bon. Tu vas te faire racketter ton sac. Ah non, ah, c'est déjà fini. Hey Clem, alors, tu penses quoi d'Alola? C'est pas mal, c'est cool, ben. Je sais pas, j'ai fait qu'une route, il me demande ça, tu vois. Un petit dresseur vient de chez nous. Dites-moi quelle capacité je dois utiliser pour gagner. Eh bien, la bonne, c'est celle qui te paraît être la bonne. Facile. Reviens me voir quand ton petit Pokémon aura appris de nouvelles capacités. On fera un combat pour voir. Comme ça, je vais te défoncer et tu auras la honte. Et tu me laisseras tranquille. Celle le doyen, là? Non. Comme tu peux le voir. Tu peux t'aventurer dans les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper des Pokémon sauvages. Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. En avant, Manglouton. D'accord, aucun nouveau Pokémon encore. Manglouton. Face à machin. Oh ! Et le nouveau vient de battre contre moi dès que tu pourras. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Dès que j'aurai un Pokémon, je te laminerai. Bref, Lily est juste là en route. What the... Lily quoi? Ah, c'est le nom de l'île. Non, je sais pas. Nananananana. Ah, Lily, oui, c'est le nom de la ville, voilà. Lily, d'accord, le nom vraiment... Oh, c'est pas bien de manger des chewing-gums. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Toxicroco. C'est lui... C'est lui le gardien de l'île de Meuleu-Meuleu où nous nous entrons. Bah mince alors, où est Lily? Elle m'a pas posé un loque-pain quand même? Un loque-pain, ah ouais. Ah, elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo derrière le village. Bon, on va avoir quand notre Pokémon? Il y a de vieilles ruines liées à Toxicroco là-bas. Ça doit être pour ça, pardon. Clem, ça te dérangerait d'aller voir le doyen de l'île tout seul? Non, ça me... Non. Je vais rester là au cas où mon assistance pointerait le bout de son nez. Et bon, je pense qu'on va se quitter là. Ça fait beaucoup plus que je pensais. Bref, donc 12e épisode demain, ne vous inquiétez pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez. Comme ça, on sera plus nombreux. Et ça, ça me fait plaisir. Sur ce, on se retrouve demain pour le prochain épisode. On va avoir notre premier Pokémon. Allez, ciao.